Salut tout le monde. Eu sou o Adir Ferreira e hoje temos um vídeo especial de Halloween com a leitura da primeira parte do livro Sa de Stephen King. Este livro que se chama It em inglês e a Coisa em português, conta a história de um palhaço que aterroriza uma pequena cidade na Nova Inglaterra nos Estados Unidos. E neste vídeo você vai acompanhar o locutor francês junto com o texto em velocidade normal de leitura. Mas lá no blog você tem todo o texto, o vocabulário mais importante e também a tradução oficial em português, além do áudio para acompanhar também, d'accord? Lembre-se de que é um texto mais avançado, então salve este link e vá estudando aos poucos. Vamos começar? Bons estudos! Chapitre 1, Après 1957. 1. a 1957 La Terreur, que n'a laissé qu'au bout de 28 anos. Mais a-t-elle vraiment cessé? s'incarna pour la première fois à ma connaissance. Dans un bateau en papier journal, dévalant un caniveau gorgé d'eau de pluie. L'esquif vacilla, gita, puis se redressa, plongea crânement dans de perfides tourbillons et descendit ainsi Witcham Street jusqu'au carrefour avec Jackson Street. Tous les feux de signalisation étaient éteints en cet après-midi de l'automne 1957 et pas une maison n'avait de lumière. Cela faisait une semaine qu'il pleuvait sans discontinuer, et depuis deux jours, le vent s'était mis de la partie. La plupart des quartiers de Derry se trouvaient toujours privés d'électricité. Un petit garçon en cirée jaune et caoutchouc rouge courait gaiement à côté du bateau de papier. La pluie, moindre rue, crépitait, pour son oreille, comme sur un toit de tôle. Bruit agréable, presque rassurant. Il s'appelait George Denbrough. Et avait six ans. Son frère, William, connu de la plupart des gosses de la communale, comme des maîtres qui ne se seraient pas permis de l'appeler ainsi devant lui, sous le sobriquet de Bill Lebeg, hoquetait à la maison les dernières quintes de tout d'un méchant rhume. En cet automne 1957, huit mois avant les vrais débuts de l'épouvante qui allait durer 28 ans, Bill Lebeg avait dix ans. C'est Bill qui avait conçu le bateau que faisait naviguer George. Il l'avait fabriqué dans son lit, adossé à une pile d'oreillers, tandis que leur mère jouait au piano, la lettre à Élise, dans le salon, et qu'au dehors, la pluie balayait inlassablement les fenêtres de la chambre. Un peu avant l'intersection aux feux éteints, Witcham Street était interdite à la circulation par des fumigènes et quatre barrières oranges. Sur chacune, on pouvait lire, Travaux publics de Derry. Au-delà, la pluie avait débordé des caniveaux qu'encombraient branches, cailloux et feuilles, Agglutiné en tas épais. L'eau avait tout d'abord, comme du bout des doigts, foré de petits trous dans la chaussée avant de l'emporter à grandes poignées à vide dès le troisième jour de pluie. À midi, le quatrième jour, c'était par plaques entières que le revêtement dévalait la rue jusqu'au carrefour de Wicham et de Jackson, comme autant de radeaux miniatures. On avait lancé, un peu nerveusement, les premières plaisanteries sur Noé et son arche ce même jour. Les services de voirie de Derry avaient réussi à maintenir ouverte Jackson Street, mais Wicham Street restait impraticable depuis les barrières jusqu'au centre-ville. Le pire était pourtant passé de la vie générale. La Candus Skig n'était pas sortie de son lit dans les friches mortes et était montée à quelques centimètres des berges en ciment du canal qui l'endiguait pour franchir le centre-ville. Juste à ce moment-là, une équipe d'hommes, qui comprenait entre autres Zach Denbrough, le père de Bill et George retirait les sacs de sable entassés la veille dans une hâte fébrile. La crue avait en effet paru inévitable avec son cortège de dégâts. Celle de 1931 avait fait plus de 20 victimes et coûtait des millions de dollars. On avait retrouvé l'un des corps à 40 kilomètres de Derry. Les poissons lui avaient dévoré les deux yeux, le pénis, trois doigts et l'essentiel de son pied gauche. Le malheureux serrait encore le volant d'une Ford dans ce qui restait de ses mains. La rivière venait cependant d'entamer sa décrue, et grâce au nouveau barrage de Bangor, en amont, cesserait bientôt de constituer une menace. Telle était du moins l'opinion de Zach Denbrough, employé d'hydroélectricité Bangor. Pour l'instant, il fallait faire face à la situation, rétablir le courant et oublier ses mauvais moments. À Derry, la faculté d'oublier les tragédies et les désastres confinait à l'art, comme Bill Denbrough allait le découvrir avec les années. George fit halte juste après les barrières, au bord d'une ravine creusée dans le goudron selon une diagonale presque parfaite qui traversait Witcham Street. Elle aboutissait de l'autre côté de la rue, à environ 12 mètres en contrebas de l'endroit surélevé où il se tenait. Il éclata de rire. Manifestation solitaire de joie enfantine, rayon de soleil trouant la grisaille de l'après-midi, tandis que son bateau était happé par les remous des rapides à échelle réduite qui dévalaient la ravine. Il passa ainsi d'un bord de Witcham Street à l'autre, tellement vite que George dut courir pour se maintenir à sa hauteur. L'eau boueuse jaillissait sous ses caoutchoucs dont les boucles cliquetaient gaiement alors qu'il se précipitait vers son étrange mort. Il se sentait tout plein à cet instant-là, d'un amour clair et simple pour Bill, un amour un peu attristé du fait de l'absence de son frère avec qui il aurait voulu partager sa joie. Certes, il essaierait de lui décrire ses aventures une fois à la maison, mais il savait qu'il serait incapable de les lui faire voir comme Bill, dans le cas contraire, les lui aurait fait voir. Bill lisait bien, écrivait bien, mais ce n'était pas uniquement pour cela qu'il raflait tous les premiers prix en classe. George, en dépit de sa jeunesse, s'en rendait compte lui-même. Bill savait raconter. Mais surtout, il savait voir. George s'imaginait maintenant que son bateau était une vedette lance-torpille, comme celle qu'il voyait dans les films de guerre au cinéma de Derry le samedi en matinée avec son frère. John Wayne contre les Japs. La proue de papier journal soulevait de l'écume comme un vrai navire et atteignit ainsi le caniveau de gauche de witcham Street. Un autre ruisselet convergeait sur ce point et le tourbillon qui en résultait risquait de le faire chavirer. Le bateau pencha de façon alarmante, et George poussa un cri de joie quand il le vit se redresser, pivoter, et se précipiter vers le carrefour. George accéléra pour le rattraper. Au-dessus de lui, les rafales aigres du vent d'octobre secouaient des arbres que la tempête avait presque complètement dépouillés de leurs feuilles richement colorées. Moisson brutale.